Hey. Petit PUBG avant d'arrêter. Alors, tout à l'heure, ce PSCOPE, j'ai eu que 3 vues. On va croire que PUBG, c'est comme Fortnite. Hein. PUBG, Fortnite. En termes de diffusion, c'est pas super. En fait, j'ai l'impression que PUBG et Fortnite, c'est ça a marché, enfin plus PUBG que Fortnite, ça a marché un temps, mais un temps, t'as le problème, c'est que maintenant PUBG. Bah, étant donné que le Battle Royale de Call of Duty quand même, je trouve, bon, je dirais pas meilleur, pas non plus mieux, mais c'est quand même différent. C'est vrai qu'à côté PUBG, PUBG, s'il y en a qui préfèrent le réalisme, on va dire, ils iront dessus, mais s'ils s'en foutent du réalisme, il y a Fortnite, il y a le Call of Duty, il y a le Battle Royale de Call of Duty. Donc réalisme. Puis même ça se voit sur les parties. Hein. Sur les parties, je vois. Hein. Il y a des parties où tout à l'heure je faisais des parties, on était 60 sur la partie. C'est pas. 60, c'est pas beaucoup. Hein. 60, c'est un peu. Apparemment, je sais pourquoi tout le monde se barre. C'est peut-être un jeu qui finalement n'a pas. C'est bof quoi. Mais bon. Comme ça. C'est pareil, c'est le mixeur, j'en vois pas beaucoup qui diffuse sur PUBG. Hein. J'en vois plus beaucoup comme avant. C'est le mixeur, PUBG. C'est pas. À comparer à Fortnite, c'est pas. C'est pas fameux quoi. C'est pas fameux. Il y a un jeu que j'ai vu là, sur que j'ai vu dans le Game Pass, pas dans le oui, dans le Game Pass qui va sortir au mois de le 22 à 26, qui va sortir le 26 quasiment à la fin du mois. C'est un, comment ça s'appelle ça, c'est un, merde, c'est un Minecraft, mais apparemment
C'est une sorte de Minecraft, mais Minecraft, on va dire. Ça va être du Minecraft, mais du Minecraft comme un peu un jeu d'aventure, quoi. J'ai vu ça tout à l'heure sur mon téléphone. Ça a l'air d'être pas trop mal, en plus c'est un jeu d'aventure et tout, ça va être pas mal. Bah ça a l'air, toujours pareil. Et comme on dit, ça a l'air mais ça a pas de chanson. Donc après faut voir sur la. Après il faut voir sur la. Il faut voir le jeu fini, quoi. Puis j'ai l'impression que c'est un jeu Microsoft, j'ai l'impression. Donc après c'est toujours pareil, il faut. Ça c'est pareil, c'est encore un jeu que. Heureusement que Xbox Interactive va peut-être streamer dessus, parce que comme ça chez Microsoft, ils vont sûrement streamer dessus, sûrement. C'est comme là, j'ai vu Xbox Interactive qui diffusait sur Doom Eternal. Pareil, Doom Eternal, tu le vois pas en diffusion. C'est un petit peu incompréhensible, hein, parce que bon, Doom Eternal. Bon, hormis que le jeu soit violent, ça on peut pas, ça malheureusement on peut pas trop, ça on peut pas dire le contraire. C'est un jeu violent, mais bon, en même temps, quel jeu n'est pas violent? Call of c'est violent, PUBG, on va dire, par moments c'est violent aussi. Enfin, Doom, c'est pas une question de c'est violent, c'est gore. Et c'est peut-être du fait que ce soit gore. Et c'est peut-être du fait que ce soit gore que le jeu, on le voit pas beaucoup en épisode. Peut-être ça aussi. Après, c'est ça, moi. Comme on dit, je dis ça, j'ai rien. Mais bon, tout ce qui est gore, hein, c'est pas. Voilà, quoi. Des jeux gore, même pour moi, hein, c'est pas insurmontable. Hein. Au pire, s'il y a des scènes qui sont vraiment trop trop gore, je ferme les yeux et puis voilà. Hein. C'est pas insurmontable, quoi. De toute façon, les Doom, hein, ça n'a jamais. De toute façon, les Doom, hein, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été pas gore, hein, les Doom, hein, de toute façon. Ça a toujours été gore, hein, de toute façon. De toute façon, un Doom qui n'est pas gore, c'est pas un Doom. Hein. Mais c'est quand même curieux, voire bizarre, que le jeu soit pas plus. Enfin, que le jeu soit pas en streamé sur Mixer, ou même Twitch, hein. Et Twitch, bon, si je pense que Twitch, qu'il y en a qui doivent streamer dessus, mais sur Mixer, personne, quoi. Enfin, à part Xbox Interactive, parce que tout à l'heure, je l'ai vu, il y en a qui streamer dessus. Xbox Interactive. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, Xbox Interactive, ils sont payés pour streamer les jeux. Ils sont payés pour streamer les jeux Microsoft. Donc, voilà. Ou les jeux Microsoft ou n'importe quel jeu, ou n'importe quel jeu. Comme ils sont payés, ils font pas ça gratuitement, quoi. Ils font pas ça comme nous gracieusement. Ils font pas ça comme nous gracieusement. Même si des fois. Même si des fois je me demande si certains sont pas payés par Salopard. Salopard. Même si des fois je me demande si certains sont pas payés gracieusement, quoi. Ça c'est encore un autre.
C'est encore un autre débat, ça. C'est encore un autre débat. Mais ça serait pas surprenant. Ça serait pas surprenant. De toute façon, si un jour on apprend que. Si un jour on apprend par le plus. Parce que, à mon avis, si j'ai raison, et je crains malheureusement avoir raison, si j'ai raison et puis qu'on apprend un jour comme par intermédiaire de je sais pas quoi, de Brigitte, je sais pas qui, que certains se font payer pour streamer ce mixeur, si j'ai bien à savoir. Je pense que ça risque de faire ça risque de faire grincer les dents, quoi. Déjà qu'il y en a, ils ont leur partenariat sur Mixer, on se demande bien comment ils ont pu avoir on se demande bien comment que Mixer peuvent leur donner le partenariat comme ça aussi facilement. Enfin, c'est la grande question. Do you know any English? No, no, Sarah. Speak French. Speak French. Sorry. Si comme je le crains, si comme je le crains, certains de ces mixeurs se font payer pour streamer leur jeu. Il risque d'y avoir des règlements de compte, je pense. Il risque très certainement d'y avoir des règlements de compte. Déjà que des règlements de compte, c'est ce qu'il y a déjà hein, sur les sur certains streams. Bah, les mecs qui sont les mecs hein, ils ouais, quoi. On va dire qu'ils se font pas de cadeaux quoi. Ils se font pas de cadeaux.
Mais bon, j'ai pas non plus les plaintes, hein. J'ai pas les plaintes. C'est plutôt nous qui devrait, c'est plutôt nous les petits streamers qu'on devrait nous plaindre nous, parce que quand ils viennent sur notre live pour pas ce qu'ils nous pour faire pour comment nous faire subir ce qu'on subit, des fois c'est plutôt nous qu'on devrait comment dire qu'on devrait plaindre. Plutôt que quoi. Mais bon, ça c'est un autre problème. Bon, pour parler d'autre chose, tout à l'heure sur la Switch, j'ai pu faire mes 10 médailles hein, sur Fortnite. Pas de problème. Ça s'est fait rapidement. En plus, j'ai tué 8 mecs. J'en ai tué 8. Assez facilement. Oula, I don't understand what you're saying. Oula. Alors là. Voilà, attends, I don't. Alors, I, ça veut dire je. Après, don't understand. Oula. Oula, attends, par contre, là, par contre, Sarah, là, excuse me, mais là, I don't understand what you're saying. Oula. Ah, de toute ta phrase, j'ai compris que un mot, le I. I, c'est je. Don't, c'est je crois que c'est je dois. Don't, c'est doit, je crois. Devoir, je crois. Understand. C'est quoi? Je crois. You can't very well. You can't wave. Oh putain. Quand je vois des messages comme ça, c'est là où je me dis que j'aurais peut-être dû écouter ma prof d'anglais. You can't read very well. Alors, you, ça veut dire toi, je crois. Can't read. Comment je vais dire traduction? Traduire? Comment traduire? You can read very well. Ah, very well, je crois que c'est very, c'est beaucoup. Je crois. Very, c'est beaucoup, je crois. Well. Alors là. Je sais qu'il y en a qui maîtrisent parfaitement anglais comparé à moi, mais moi je ne maîtrise pas du tout. Voilà. Oh putain, attends. Je vais te faire un copier-coller tout ça parce que j'y comprends rien du tout. Attends. Hop. Non, pas ça va. Non, je vais juste te faire un copier-coller ça. Mais non. Mais non plus. Je vais faire un copier-coller, mais non. Ah, purée de bordel de petits pois. Ah, mais non, mais pas Sarah. Bon, mais c'est pas grave, attends, je vais faire. Hop. C'était RLC. Ah, j'essaie de traduire ça, je sais pas si je vais réussir. Hop. Pendant que, apparemment, il n'y a personne. Attends, Google. Traduction. Alors, qu'est-ce qu'un bis cette Sarah? Mais non, collé. Ah, mais non, mais pas cassé, mais. Ah, mais. Alors, qu'est-ce qu'un dit? Connaissez-vous l'anglais? Non. Je comprends pas ce que tu dis. Vous pouvez très bien lire.
No speak English. Petit nom. Attends. Attends. On va essayer de se parler. Attends, vas-y. Attends. Ah merde. Ah putain, je peux pas copier coller en plus, merde, chier. Oula. Sais pas si elle va comprendre quelque chose dans ça. Hein. Et encore, j'ai bien marqué en titre français. Hein. Et dire que j'ai détesté ma prof d'anglais. Dire que j'ai détesté l'anglais pendant. J'ai appris ça pendant. J'ai fait 3 ans d'anglais. J'ai dé. J'ai détesté ça. J'aurais peut-être pas dû détester. J'aurais peut-être pas dû détester.
Je devrais peut-être mettre French, entre parenthèses, au lieu de mettre français, parce que apparemment, quand je mets français, apparemment, ils comprennent pas. Je devrais mettre French. Parce qu'apparemment, français. Ou FR. A priori. C'est pareil au niveau des Anglais qui nous regardent, que ce soit Mixer, Twitch, YouTube et même Periscope. Même si la langue, bah, même si moi et la langue, si la langue, j'ai un peu de mal avec l'anglais. Le fait qu'ils nous regardent, c'est déjà, j'ai envie de dire, heureusement qu'ils sont là, heureusement. Parce que s'il n'y avait pas les Anglais pour nous regarder. On va dire que les Anglais, comparés aux Français, ils sont un peu moins cons, quoi. Ils sont un peu moins dans la compétition. Parce que la communauté anglaise de son mixeur, comparée aux Français, on est. Enfin, je trouve que les Anglais sont moins dans la. Je trouve que les Anglais sont moins dans la compétition. Sont moins dans la. Dans l'optique de se dire, tiens, bah, le Français, on va aller sur son live, on va pourrir son live, etc. Ils sont moins dans la. Comment dire? Ils sont moins envieux. Voilà. Ils sont moins envieux que nous, quoi. Enfin, ce mixeur, plus précisément, ils sont beaucoup moins envieux. Je trouve que les Français, je trouve que nous, les Français, ce mixeur, on est non seulement d'être envieux, on est jaloux. Alors, des fois, jaloux le coup, on se demande, mais bon. Des fois, la jalousie, elle est mal passée. Très, très mal passée. Parce que, bon, bah, hein, quoi. Moi, j'ai pas l'intention d'être partenaire ou même affilié. J'ai pas du tout l'intention d'être partenaire Mixer ou même partenaire Twitch ou partenaire YouTube ou même Periscope. Hein. J'ai pas vraiment l'intention de ça. Et je trouve que les Français, qu'il existe une jalousie qui est pas justifiée. C'est pas. Je sais pas. C'est une jalousie mal placée. Voilà. Moi, dans mon cas, moi, personnellement, ils ont pas lieu d'être jaloux de moi, quoi. Ils ont pas lieu d'être jaloux et envieux de moi. Ils ont pas lieu d'y être. Pourquoi d'ailleurs ils seraient envieux et jaloux de moi? Je suis pas une menace pour eux. Hein. Je suis pas une menace. Hein. Je l'ai jamais été et je doute l'être un jour. Donc, jaloux et envieux de moi peut-être par rapport aux jeux que je stream. Peut-être et encore. Parce que les jeux que je fais, ils. Oula, oula, oula. Eh merde. Parce que les jeux que je fais, eux, ils ne font pas. Donc peut-être que. Peut-être qu'ils sont jaloux et envieux à ce niveau-là. Mais bon. Même ça, hein, c'est pas. Même ça, limite, ça ne justifie en rien leur jalousie. Hein.
toute façon, rien ne justifie la solution. Rien ne la justifie. De toute façon. Rien ne la justifie. Ce mixeur, il y a beaucoup de Français qui veulent être partenaires. Ils veulent être partenaire mixeur. Et pour devenir partenaire, ils sont pas à tout, quoi. Même s'il faut écraser un Français, même s'il faut écraser un Français comme moi ou comme des tas d'autres Français pour devenir partenaire, ils sont prêts à tout, quoi. Puis bah c'est nous qui empathie, quoi. Puis c'est nous qui empathisons. C'est pour ça que moi j'ai. C'est pour ça que moi j'ai jamais voulu être partenaire et ou affilié ou Dieu sait quoi. Dieu sait que au terme, je veux être ni un ni autre. Parce que si jamais un jour on me le propose, ça m'étonnerait qu'on me le propose, mais si un jour on me le propose, je refuserai. Parce que je veux pas t'emmerder. Parce que voilà. Je veux pas être emmerdé par des mecs qui vont s'imaginer les choses. J'ai pas. Non, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Déjà que ce mixeur, ceux qui mettent des cams, déjà que ce mixeur, ceux qui mettent la cam quand ils stream, déjà. Déjà, ça plaît pas à certains parce que. Ça plaît pas à certains qui la mettent la caméra parce que eux, ils pixelisent pas et machin, et ils ont pas zoom auto, etc. Donc ça leur plaît pas. Je suis sûr que moi, quand je mettais ma cam, ça leur plaisait pas non plus. Parce que. Ça leur plaisait pas non plus parce que, bah. Comme moi, contrairement à eux, ma caméra, elle, elle faisait pas des auto-zoom, etc. De ce moment-là, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles, la caméra, je l'ai jamais vu. Donc, ils sont tranquilles avec ça. Qu'est-ce que... Puis aussi un truc, mixeur, ils ont le fait de mettre le fait de mettre le système de hosting, il se rapproche de Twitch à ce niveau-là, mais c'est pas non plus
il se rapproche de Twitch en faisant ça. Mais pour moi, je pense que c'est pas. Pour moi, je pense que c'est. Je pense qu'ils ont attendu un petit peu trop longtemps pour le faire, quoi. De mettre cette option-là sur Mixer, ils auraient pu le faire. Ouais. Ils auraient pu le faire bien avant, ils l'ont pas fait, quoi. Là, on a l'impression que Mixer, ben, je le dis depuis, depuis un moment déjà. On a l'impression que, enfin moi j'ai l'impression que Mixer se casse la gueule, qui coule comme le Titanic, qui coule de plus en plus, et que là, ben, il sort les, et que là il sort les, comment dire, il sort les canaux pour et que là, ils sont en train de sortir les barques pour ne pas couler, pour ne pas couler avec le bateau, quoi. C'est pour ne pas couler avec le Titanic, quoi. Mais bon, je pense que c'est peine perdue, hein. C'est peine perdue, hein. Ils essayent timidement de se mettre au même niveau que Twitch, mais c'est. Ça sert à rien, quoi. Si seulement ça servait à quelque chose. Si seulement ça pouvait rendre une image plus positive des mixeurs. Mais ça donne rien, quoi. C'est. Enfin, pour moi, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Parce que le auto-host, par exemple, si moi je me host à une chaîne sur Mixer, ça va, enfin, ça va rien m'apporter, quoi. Strictement rien. Puis j'ai pas tellement envie que des personnes que je me host à elles profitent des vues que je pourrais peut-être moi avoir. Je pars d'un principe, c'est que moi j'ai jamais personne qui me regarde ce mixeur. Je précise bien un mixeur. Je vois pas pourquoi que je vois pas pourquoi que ce mixeur que je ferais du que je ferais du que je ferais du autohost. Je vois pas tellement le je vois pas tellement l'intérêt je vois pas tellement l'intérêt pour moi ce mixeur personne ne mérite le personne Personne ne mérite que je l'héberge. Personne ne mérite que je l'héberge. Personne. Le jour où ils seront peut-être un peu moins ce qu'ils sont, certains, peut-être que je les hébergerai. Et encore, c'est pas sûr. Et tant qu'ils seront comme ils sont. Je suis pas prêt à les héberger. Je suis pas prêt à les héberger. Même si l'hébergement c'est gratuit, tu payes rien. Pas qui suis là. Moi ben. Je fais encore cette partie-là. Quand on est parti, puis après j'arrête. Et après j'arrête.
Je crois même que je vais faire cette partie-là et puis après j'arrête. Que j'ai mes yeux qui commencent un peu à fatiguer, hein, je vais pas trop forcer dessus, ça sert à rien. Pas non plus que je fasse n'importe quoi. Mais... Pas non plus que je fasse n'importe quoi. C'est vrai que ce jeu, par moment, il a tendance à... Enfin, moi, sûrement, il a tendance à me faire dormir. Parce que tu cours, tu marches, tu vois personne, tu croises personne. C'est vrai que, par moment, il a tendance à... Tu dis, putain, j'ai pas... Tu vois personne, y a pas un chat... C'est comme un peu le coronavirus en ce moment, quoi. Quand tu fais ta promenade, t'as personne, t'as pas un chat, tu vois aucune voiture. C'est le calme total. Mais comme on dit, c'est calme après la tempête. Oula. Oula. Hop, hop, et un frag, hein? Ah bah c'est peut-être le seul frag de la... C'est peut-être le seul frag de la soirée. T'en profiter. Ça va peut-être pas durer. Alors, autant profiter du seul et unique frag que je viens de faire. Que ça me laisse être le seul et unique. Ça risque d'être le seul et unique. Alors, on va s'en contenter, hein. On va s'en contenter.
Ah, ça vient de ma vie, donc. Ça vient de ma vie. C'est dingue comment ce jeu, moi, ça me... Je pique des... Je pique des... Comment dire? J'ai mes propres yeux qui se fatiguent. C'est dingue, hein? Le fait d'avoir personne devant moi, j'ai mes yeux qui me... Ah bon, c'est peut-être parce qu'il se pétard et puis que... Voilà. Mais j'ai mes propres yeux qui se fatiguent de ne pas avoir d'ennemis, quoi. C'est la première fois, c'est hallucinant, hein. Hallucinant. À côté Cuisine Royale, au moins. À côté Cuisine Royale, au moins les parties sont un peu plus rapides. Mais voilà quoi. Mais, qui c'est qui essaye de me tirer dessus? Allez, lâchez-moi pour que j'arrête, hein. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Hey, tac. Et sincèrement, j'avais mes yeux qui commençaient à... Même mes yeux, disait... Et même mes yeux, si vous pouvez parler. Allez, achetez-moi. Je vois si dans le Game Pass si le jeu est arrivé maintenant. Peut-être demain. Ça va peut-être arriver demain. Peut-être. Bon allez, moi, hop, j'arrête. Bah, c'est ça que je vais. Et ça, Microsoft de je sais pas quoi. Ça peut être bien ça. Enfin, j'espère. On verra. On verra. Voilà. Mise à jour, pas mise à jour. Pas une mise à jour, non. Pas mise à jour. Bon, allez, moi, les gars. J'arrête là. Et hop. J'arrête là. Allez. Tac.